Salut, je te fais cette petite vidéo en direct là de notre week-end de clôture de la première saison de la Vocal Coach Factory, donc cette école de formation au métier de coach vocal. Et voilà, on a une partie des coachs qui se sont déplacés pour ce week-end de clôture, d'autres sont restés coincés malheureusement là dans leur pays respectif. Voilà, les conditions de transport n'étant pas forcément idéales dans certaines zones du globe en ce moment. Mais donc, on clôture cette année et je suis vraiment hyper content de voir tout le chemin qui a été parcouru par chacune et chacun. Et puis encore, voilà, tout le travail qui reste à faire pour peaufiner tout ça. Mais voilà, je suis vraiment maintenant confiant dans le fait que eh bien, ces premiers coachs, les fondateurs de cette école, soient en mesure d'accompagner des élèves comme je peux le faire. Et voilà, je suis vraiment très content de savoir que ma méthode va être dupliquée du coup sur le reste de la planète grâce à eux. En parlant de confiance, je voulais justement te toucher un mot aujourd'hui. Tu sais, je t'ai fait plusieurs vidéos, plusieurs vlogs sur la chaîne YouTube dans lesquels je te parle de vaincre ses peurs et d'avancer au-delà de la peur. Et je voudrais te partager quelque chose aujourd'hui d'important, plusieurs choses, trois choses en réalité que je voudrais te partager. Donc reste avec moi, voilà, quelques instants. La première chose, c'est que, comme je te le disais dans une précédente vidéo, ok, il y a les peurs qu'on a identifiées. Ça, c'est assez, je dirais, c'est assez facile, enfin, j'allais dire facile à voir. C'est-à-dire que, voilà, tu sais que tu as peur des araignées, tu sais que tu as peur de chanter en public, ok. Ça, c'est bon, c'est un fait, enfin, c'est quelque chose, tu le ressens comme ça et tu voudrais pouvoir avancer là-dessus. Ce qui est déjà très bien, d'accord? Maintenant, ce qui pourrait t'empêcher d'avancer là-dessus, bah, ça va être justement la même chose, ça va être la peur en fait. C'est qu'est-ce qui va se passer en réalité si j'avance là-dessus? D'accord? Il y a des personnes qui m'envoient des messages en me disant, écoute Antoine, faudrait qu'on parle de ce truc-là, que tu m'expliques comment tu pourrais m'accompagner, parce que là, vraiment, j'en ai ras-le-bol d'avoir peur, en fait. Mais finalement, ce qui a pu bloquer les gens jusqu'à présent là-dessus, c'est d'ouvrir la boîte et de dire, OK, qu'est-ce qu'en fait cette peur? Qu'est-ce qui va se passer une fois que je vais avoir transcendé cette peur? Et je voudrais te rassurer là-dessus, parce qu'en réalité, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que il y a les peurs qui sont bien identifiées. Donc ça, c'est les choses que, voilà, comme je te les ai citées, tu as peur de chanter en public, tu as peur d'exposer tes compositions, de t'exposer toi-même sur les réseaux, par exemple. OK? Ça, c'est la peur frontale, enfin la peur, voilà, le primaire, je dirais. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus vicieux. C'est en fait les peurs qui sont planquées, comme je te le disais, qui ne disent pas leur nom, les peurs qui ne disent pas leur nom, qui sont cachées. Et en fait, ça, c'est beaucoup plus vicieux parce qu'en réalité, ces sujets-là, tu ne vas pas forcément les traiter. Et pour certains, ça peut être vu, par exemple, comme de la procrastination. Ah, je sais pas, je reporte à demain. Mais souvent, la procrastination, alors, c'est soit un manque de désir profond, d'accord? Ça, c'est une chose. En fait, peut-être que tu es en train de te forcer à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Mais sinon, c'est juste des peurs cachées, en fait. C'est qu'en réalité, le truc-là te fait peur. C'est pas dit dans la chanson, c'est pas exprimé consciemment, d'accord? Mais c'est probablement ce qui peut participer au fait que tu repousses, que tu repousses, que tu repousses. J'ai accompagné des personnes qui ont enregistré des singles, leur premier single, première composition, enregistrement, etc. Puis à un moment, qu'est-ce qui va retarder le fait qu'elles sortent le truc? Ah, mais j'ai réfléchi, peut-être ça sera peut-être mieux cet été, parce qu'au niveau du calendrier. Ok, d'accord. Ouais, mais peut-être plus cet automne en réalité. Je pense que voilà, ce serait peut-être plus pour cet automne. Mais en réalité, à partir du moment où le titre il est en boîte, enregistré, mixé, masterisé, c'est prêt, t'as tes photos. Enfin, je veux dire, c'est quoi la différence entre maintenant et dans 3 mois? Et ça, en fait, c'est juste des peurs déguisées. D'accord? Donc, je voulais t'alerter là-dessus. C'est que oui, il y a des choses qui te font peur, ça c'est identifié. Très bien. Et libre à toi d'avancer dessus ou pas. Mais maintenant, il y a aussi toutes ces peurs cachés, déguisés, d'accord, qui disent pas leur nom, et en fait qui t'empêchent d'avancer vachement dans la vie, qui t'empêchent énormément d'avancer dans tes projets. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, tu n'as pas encore passé cette petite annonce pour recruter les musiciens de ton groupe? Est-ce que c'est la peur de chanter en public? Non, pas vraiment, parce qu'en réalité, le temps que tu recrutes des musiciens, que vous répétiez, etc., tu vas pas chanter en public avant peut-être un an, toi, le temps de mettre en place le projet. Mais oui, je sais pas, je traîne un peu les pieds, il faudrait que je m'y mette, je tarde un peu, faut que je me planifie ça, tous les il faut, tous les je sais pas pourquoi, etc. Ben ça, la plupart du temps, c'est des peurs déguisées, d'accord? C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit en coaching. Et c'est ça vraiment la beauté, je dirais.
pour toi d'avancer là-dessus, c'est que d'une part, tu vas pouvoir affronter et transcender ces peurs bien identifiées et qui te freinent aujourd'hui, mais aussi tu vas pouvoir avancer sur toutes les peurs déguisées qui ne disent pas leur nom et aujourd'hui qui te bloquent, qui te freinent, qui te ralentissent dans tes projets et qui font que ta vie est pas si brillante que ça. Quand je dis brillante, c'est par rapport à terne, c'est-à-dire que ce que je vois, c'est qu'une vie vécue dans la peur, c'est une vie qui est un peu qui est terne, quoi, si tu veux. C'est comme si on mettait un petit filtre Insta, tu sais, où il y a un peu moins de, où il y a un peu moins de couleurs. Donc voilà pourquoi je te parle de ça, parce que c'est vraiment, si tu veux, vraiment important que tu comprennes ça, d'accord? Que quand tu vas transcender tes peurs derrière, parce que c'est ce qui fait peur aux gens, c'est oui, mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Bah derrière, il va se passer que tu vas réaliser tous les projets que tu as envie de réaliser. Tu vas avancer sur plein de domaines, les sujets sur lesquels tu traînailles aujourd'hui, et tu sais très bien que tu peux le faire, mais tu traînailles et tu repousses et tu machins. Et voilà, et je te jette absolument pas la pierre là-dessus, d'accord? Parce que je fais exactement pareil, ok? Le truc, c'est juste de prendre conscience de ça. Et puis ensuite, d'avancer là-dessus, de se faire accompagner, de se transcender. Moi, je me fais accompagner régulièrement sur ces sujets-là pour pas rester bloqué en fait. Parce que je sais le cadeau que c'est de pouvoir transcender ses peurs et d'avancer et du coup, de réaliser des beaux projets et d'avoir une vie qui pétille. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette courte vidéo. Alors, information, oui, je te disais, information, c'est que j'organise jeudi. Ça doit être le 16 juin si je ne me trompe pas. Jeudi, donc c'est cette semaine-là. Jeudi 16 juin à 19h, une émission en direct sur YouTube. D'accord? On va parler de ce sujet. On va parler des peurs. J'en profiterai aussi pour te présenter mon nouveau programme d'accompagnement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendent. C'est un programme d'accompagnement comme je ne les ai encore jamais fait. D'accord? C'est un hybride. Tu vas voir, j'ai vraiment réfléchi à la manière la plus puissante pour pouvoir t'accompagner là-dessus. Il va y avoir du coaching individuel, il va y avoir de l'atelier, il va y avoir, bref, je t'en parlerai dans l'émission. Et si tu veux venir discuter voilà, de ces sujets, l'appréhension, des peurs, voir qu'est-ce qui est possible de faire là-dessus, j'en parle donc jeudi 16 juin à 19h dans une émission en direct. D'ici là, eh bien, écoute, porte-toi bien. Réfléchis à ce que je t'ai dit, essaie d'identifier ces trucs que tu repousses, les trucs sur lesquels tu procrastines en disant oui, c'est parce que je traîne un peu les pieds. Pense à cet angle de vue de est-ce que ce ne serait pas des peurs déguisées qui sont planquées derrière? Allez, je te laisse, je te souhaite une excellente journée. Ciao!